La troupe du jour, c'est la compagnie de théâtre francophone de la Saskatchewan, avec un autre qualificatif, c'est la troupe professionnelle de théâtre de la Saskatchewan. Le biosystème dans lequel on existe, c'est qu'on est à Saskatoon, mais on a un mandat interprovincial. Puis s'il y a une distinction pour dire qu'on est une troupe de théâtre professionnelle, c'est dire qu'il existe une troupe de théâtre aussi à Regina, qui est une troupe de théâtre communautaire qui s'appelle le Théâtre Oscana. Alors, les deux compagnies existent pour desservir la grande communauté françaisoise. La priorité de la troupe du jour, c'est de créer du théâtre en français de haute qualité et, si possible, en partenariat avec d'autres organisations françaisoises, d'autres organisations communautaires, et aussi de créer des nouvelles œuvres françaisoises ou de l'Ouest canadien. Dans une saison, on pourrait avoir de 5 à 7 spectacles destinés à tous les âges. À la Troupe du jour, depuis au moins 20 ans, on a le Cercle des écrivains, qui est un collectif d'auteurs qui se voue à des nouvelles œuvres, qu'il s'agisse de nouvelles ou de poésie, avec un accent évidemment sur l'écriture dramatique. C'est animé par des auteurs chevronnés. Depuis 2 années, c'est Madeleine Blais-Dalem et David Beaudemont. Mais dans nos productions, on peut aussi avoir un accompagnement dramaturgique avec d'autres dramaturges. C'est-à-dire, on n'a pas un système qui est taillé dans la pierre. Lorsque les textes sortent du Cercle des écrivains, l'accompagnement dramaturgique se fait entre auteurs, mais il nous est déjà arrivé par le passé d'avoir d'autres conseillers dramaturgiques. Mon rêve serait de voir grandir la portée de la troupe du jour. Les communautés francophones dans l'Ouest canadien particulièrement sont bien positionnées pour vraiment voir élargir ses horizons avec une importante vague d'immigration qui nous provient d'Afrique et d'Europe. Mais aussi avec les écoles d'immersion, on est en train de voir de plus en plus de gens qui parlent français en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien. Alors pour moi, ça serait que la Troupe du jour continue à devenir un lieu de rencontre pour les gens qui aiment la langue française et qui aiment le théâtre.